La forêt de Saint-Pierre et Miquelon recule chaque année. Le constat est sans appel et les causes de la déforestation sont nombreuses. Face à l'ampleur du problème, les acteurs concernés se sont réunis toute la semaine dans un esprit de concertation pour des ateliers. Un bureau d'études était chargé de mener les discussions. Bureau dont vous faites partie, Damien Barral et Jenny Bernard. Bonsoir. 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 Première question, le premier objectif de ces ateliers était d'identifier les causes de la déforestation pour ensuite élaborer des mesures efficaces. Après une semaine de discussion, de concertation, êtes-vous capable de nous dire ce soir quelles sont les causes du recul de la forêt dans l'archipel ? Alors les causes étaient déjà connues, elles ne sont pas nouvelles, elles sont nombreuses, il y en a plusieurs, par exemple du changement climatique, il y a augmentation de la force des vents et des tempêtes, il y a également les pestes forestières, ou bien l'impact des animaux brouteurs sur les jeunes pousses des arbres. Alors mardi, vous avez mené un atelier sur l'équilibre sylvo-cynégétique, donc c'est-à-dire grossièrement l'équilibre entre l'écosystème forestier et les animaux présents. Est-ce que dans l'archipel, flore et faune coexistent de la bonne manière ? Alors aujourd'hui, les espèces chassables, en particulier puisqu'on parle d'espèces cynégétiques, existent en fait dans la forêt. Ce n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Donc il y a eu des pressions qui s'exercent évidemment, mais ces pressions, elles doivent être mieux connues et cernées pour qu'elles coexistent de la meilleure manière possible. Alors parmi les espèces, on pense tout de suite au cerf de Virginie justement, donc une espèce qui a été introduite dans l'archipel par l'homme. Est-ce que cette espèce nuit vraiment à la forêt boréale ici dans l'archipel ? Alors cette espèce, effectivement, elle se retrouve dans un milieu qui n'était pas le sien et donc elle s'alimente avec des plantes, des arbres sur lesquels elle n'avait pas l'habitude d'aller. Donc il y a une pression de ce cerf, c'est indéniable, tout le monde le reconnaît, la question n'est pas là. La vraie question, c'est celle que je posais tout à l'heure, c'est de dire maintenant que ce cerf est là et que la forêt boréale est là et qu'on veut la protéger, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour que ces deux coexistent ? Est-ce qu'on a des études actuellement sur les populations de cerfs de Virginie ? Alors pas suffisamment, non. On n'a pas de données fiables sur la taille de la population, par exemple. Et on fait des enquêtes sur l'abrutissement, c'est-à-dire le fait que le cerf vienne manger en particulier le sapin baumier. Mais ces données-là ne sont pas assez partagées, en tout cas. Elles ne nous permettent pas de tirer une conclusion qui soit fiable. Et donc on doit aller plus loin sur cette question. Donc qu'est-ce que vous préconisez ? D'abord donc, des études un peu plus poussées sur les populations et après ? Tout à fait. D'abord, une connaissance, une meilleure connaissance. Il faut qu'on sache quelle est la taille de la population. Il faut qu'on connaisse mieux ces pressions. Les pressions sont indéniables, elles sont constatées par tous. Et à partir de là, on va pouvoir donner des actions qui soient beaucoup plus précises et beaucoup plus efficaces. Alors pendant ces ateliers, vous avez aussi pointé du doigt les changements climatiques qui étaient une des causes de la déforestation. Comment ça se manifeste localement ? Eh bien, par exemple, le changement climatique, il y a diminué en fait les précipitations, les volumes de neige chaque année. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la force des vents et la fréquence des tempêtes augmentent. Et ici, en fait, la couche de neige en hiver permet aux arbres de tenir, de mieux tenir pendant ces événements climatiques. Donc il y a ça, et puis il y a aussi tout ce qui est érosion côtière et qui impacte les dunes qui font partie du code forestier, même si ça peut paraître un petit peu bizarre. Et c'est vraiment quelque chose à prendre dans la dégradation de la forêt. Oui. Pourquoi ? Pourquoi c'est si impactant pour... Au niveau des dunes ? Tout à fait. Alors, les dunes, en fait, permettent de maintenir le sol. Donc, il y a une espèce qui s'appelle l'ouïa qui vit dessus, sur les dunes mobiles. Et bien, en fait, si les dunes disparaissent, bien, l'isthme va disparaître. Alors, vous avez aussi animé un atelier sur l'impact de l'activité humaine sur les territoires forestiers. On sait que l'activité humaine, par exemple, se développe beaucoup depuis les dernières années à Langlade avec la construction de maisons. Est-ce que selon vous, il faudrait poser des limites, établir des règles à ces constructions ? Alors, il existe des règles actuellement, mais qui ne semblent pas assez précises. Et en ce moment, il y a un travail qui est en cours, qui est mené par la collectivité territoriale sur toute l'urbanisme de l'archipel. Et alors, quelle solution est-ce qu'on peut envisager pour préserver cette forêt, là, à court terme ?
À court terme, en fait, rien n'est encore bien défini, puisque c'était l'objet de ces ateliers. Beaucoup d'idées ont été évoquées. On va faire le tri dans tout ça. Et puis, on fera des propositions d'action dans ce plan. Et justement, quand est-ce qu'on peut espérer peut-être des propositions, des actions concrètes pour préserver la forêt ? Beaucoup d'actions sont sorties en fait des ateliers. Les participants ont été extrêmement positifs et volontaires sur ces éléments-là. Donc d'ici la fin de l'année, le document sera rédigé et on espère pouvoir attaquer les premiers éléments, la DETA, mais les partenaires en tout cas locaux, attaquer dès le deuxième semestre 2021. Merci beaucoup Jenny Bernard et Damien Barral d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle donc que vous animiez toute la semaine des ateliers sur la préservation de la forêt boréale à Saint-Pierre-Miquelon. Merci à vous. Merci. Au revoir.